Alléluia. Oui, Seigneur, c'est le temps de t'adorer, c'est le temps d'élever ton nom, c'est le temps de te proclamer, c'est le temps de célébrer le roi des rois. Le temps est arrivé de glorifier son nom. Il est le véritable, il est le tout-puissant, il est le créateur, il est le rocher. Il est le roi des rois, il est la manne cachée, il est l'étoile du matin. Laissez-moi l'adorer, laissez-moi élever le Seigneur des Seigneurs. Ce soir, nous sommes là, fidèles au rendez-vous Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Bien-aimé, commence à l'adorer, il mérite ton adoration. Il mérite la louange. Commence à adorer notre Seigneur. Commence à élever son nom. Commence à proclamer sa majesté. Commence à proclamer sa gloire. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Il est le Dieu saint. Il est le créateur. Il est le rocher. Il est la manne cachée. Il est l'étoile du matin. Il est le rocher de tous les âges. Il est le créateur. Il est notre Seigneur. Il est notre victoire. Il est la paix. Il est la joie. J'élève le Seigneur des Seigneurs. J'élève le roi des rois. J'élève le Tout-Puissant. En lui, il n'y a pas ombre de variation. Il est le véritable. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Laissez-moi adorer mon Seigneur. Ce soir, je viens élever son nom. Ce soir, je viens proclamer la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je viens célébrer le Seigneur, le roi des rois. Je viens célébrer le Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il manifeste, pour tout ce qu'il nous amène. Il nous amène la paix. Il nous amène la vie. Il est Seigneur, il est roi. Il est Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Seigneur, il est le Créateur. Il est le rocher. Il est la manne cachée. Il est l'étoile du matin. Papa, je t'ai béni. Je t'ai béni, mon Dieu, mon roi. Je t'ai béni, le Seigneur de gloire. Je t'ai béni, le Saint des Saints. Je t'ai béni, le rocher de tous les âges. Je t'ai béni, le Créateur. Je t'ai béni, le Saint d'Israël. Je t'ai béni le roi des rois. Je t'ai béni le saint des saints. Sois béni, sois béni, sois béni le Seigneur de gloire. Sois béni le Dieu de sainteté. Sois béni le roi des rois. Yahweh, je viens élever le nom de mon Seigneur. Je viens glorifier la sainteté de mon Dieu. Je viens glorifier la puissance du roi. Je viens célébrer Yahweh, ta bienveillance Yahweh. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te proclamer. Je proclame le roi de gloire, je proclame le saint des saints, je proclame le tout puissant. Il est le créateur, il est le seigneur des seigneurs, il est le saint des saints. Bien-aimé, adorons-le. Élevons son nom, élevons le nom de Jésus, proclamons la gloire de Jésus, célébrons-le ce soir, élevons nos voix. Yahweh, nous te célébrons parce que tu es merveilleux, parce que tu es saint, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le roi de gloire, tu es le Saint des Saints. Laissez-moi
bénir ton Saint-Nom. Je viens bénir le nom de mon Seigneur. Je viens bénir le nom de mon Dieu. Je viens bénir la sainteté, la seigneurie de mon roi. Je viens te bénir. Je viens te glorifier. Tu es saint, tu es puissant, tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie, tu m'as béni, tu m'as amené au sommet, tu m'as fait vivre la gloire, tu m'as fait vivre la bonté, tu m'as fait vivre la paix, tu m'as fait vivre la joie. Yahweh, accomplis tes desseins, ce soir, je vais vivre le dessein de l'Éternel, ce soir, je vais vivre la grâce de Dieu. Ce soir, je vais vivre la puissance de mon Dieu. Yahweh, n'est-ce pas toi qui es Dieu? N'est-ce pas toi qui es saint? N'est-ce pas toi qui es puissant? Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te glorifier. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu es Dieu, tu es saint. Tu es Dieu, tu es puissant. À toi la gloire, à toi la majesté. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Dans ce lundi de triomphe, bien aimé, les images sont là, mais je n'ai pas d'opérateur encore prêt. J'attends que les opérateurs arrivent pour qu'ils puissent vous balancer l'image. Oh Seigneur, bien aimé, notre thème de ce soir, qui t'a maudit? Alléluia, nous avons commencé un nouveau thème. Qui t'a maudit? Qui t'a lancé cette malédiction? Qui a maudit ta vie? Qui a maudit tes enfants? Qui a maudit ta maison? Qui a maudit tes frères? Qui t'a maudit? Qui t'a maudit, bien-aimé? Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal? Qui t'a maudit? Qui t'a fait tomber? Oh, bien-aimés, venez. Venez entendre la voix de notre Seigneur. Venez entendre la puissance de notre Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il est Dieu, il est Seigneur. Je ne sais pas qui t'a maudit. Je ne sais pas qui t'a jeté le mauvais sort. Je ne sais pas qui t'a amené à la mort. Mais ce que je sais, Dieu est au contrôle de ta vie. Bien-aimé, personne ne peut limiter ta vie. Personne ne peut mettre fin à tes jours si Dieu n'a pas donné l'ordre. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour élever notre Dieu. Ce soir, nous sommes là pour glorifier notre Seigneur. Amen, 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 amen. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est puissant. Il est le roi des rois. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout registre de condamnation diabolique à laquelle on t'a condamné dans des registres maléfiques et démoniaques. Que le sang de l'agneau efface ces registres. Que ton nom n'apparaisse plus dans ces registres sataniques, dans ces registres démoniaques. Que ton nom soit effacé. Que le nom de ta femme, le nom de tes enfants, le nom de ton mari, soit effacé du registre satanique et démoniaque. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le sang. J'invoque le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface maintenant mon nom dans tous les registres sataniques et démoniaques. Que mon nom soit effacé. Que le nom de ma femme soit effacé dans les registres sataniques. Là-bas, on a écrit mon nom. On a condamné ma vie. Yahweh, dans ces registres, là, on est en train de citer les noms de ma femme, les noms de mes enfants, les noms de mes frères et sœurs. Yahweh, que ces registres sataniques, démoniaque soit effacé maintenant. Yahweh, toute histoire me concernant qu'on a écrit dans les registres de ténèbres soit effacé maintenant. Tout ce qui concerne mon bonheur, tout ce qui concerne ma bénédiction à laquelle on a écrit mon nom, à laquelle on a écrit ma vie, Yahweh, soit effacé. Je viens invoquer les feux, je viens invoquer les feux de Dieu, les feux de Dieu, que les feux de Dieu effacent maintenant
tout ce qu'on a écrit, mais concernant ma vie, concernant mes enfants, concernant ma femme, soit effacé maintenant. Par le nom de Jésus, je viens effacer les registres sataniques, les registres démoniaques à laquelle on a écrit le sujet de ma vie, on a écrit mon avenir, on a écrit ma destinée. Yahweh, ils ont abusé de moi, papa, en écrivant des mensonges, en écrivant des faussetés pour nuire à ma vie spirituelle, pour nuire à ma présence. Et Yahweh, papa, Je détruis tout ce que le ténèbre a écrit sur mon compte, a écrit sur mon sujet. Que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit effacé. Je viens l'effacer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'efface cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens l'écarter, je viens le détruire, je viens le démolir dans le nom de Jésus, dans les registres des méchants, là où on a écrit tout ce qui concerne mon avenir, tout ce qui concerne ma destinée, soit effacé maintenant. Soit effacé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens les effacer, au nom de Jésus, nazopelela, moto nanzambe, makila na yes, et que ne peut effacer, malobagnos. Yamonda Molili, Oba Komina Tina Nangai, ce qu'on a écrit à cause de mon nom, ce qu'on a écrit concernant ma vie, concernant mon avenir, je viens le détruire, je viens le briser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ne laisserai pas les ténèbres écrire à mon sujet. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu. Consume maintenant tout ce que les ténèbres a écrit concernant ma vie, concernant mon avenir, concernant ma maison. Je viens les effacer au nom de Jésus. Nazov Panta, je détruis tout ce qu'on a écrit comportant ma mort, comportant la maladie sur moi. Yahweh, je les efface. Dans le nom de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau efface maintenant tout ce que le ténèbre a écrit sur moi. Dans le nom de Jésus, la zopelela, moto, que le feu de Dieu efface maintenant tout ce qu'on a écrit au sujet de mes enfants, au sujet de ma femme, au sujet de mon église. Yahweh, cela soit effacé dans le nom de Jésus. J'anéantis tout pouvoir néfaste et occulte qui a écrit des choses dans les registres de ma vie. Yahweh, je viens les effacer, tout ce qu'ils ont écrit, mais concernant Yahweh, dans le nom de Jésus, j'ai effacé Malobagnos. Dans le nom de Jésus, tout ce qu'on a écrit à mon sujet, je les efface au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il est le Rocher. Il est la manne cachée. Bien-aimé, le temps de prier est arrivé. Le temps de se consacrer totalement à Dieu est arrivé. Bien-aimé, le temps d'amusement est fini. Maintenant, c'est le temps de chercher la face de l'Éternel. C'est le temps de chercher la liberté. Qui t'a maudit? Alléluia. Bien-aimé, une maison de Dieu doit mettre tout le monde qui marche dans les mêmes bateaux. Vous ne pouvez pas avoir deux directions dans une maison. Nous devons avoir une seule direction, conduit par le même esprit. C'est pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit qu'il agit dans nos maisons, là où tu es maintenant. Alléluia. Que le Saint-Esprit fasse quoi? Qu'il agisse.
que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia, parce que nous voulons le règne et la domination de Jésus. C'est la volonté de Dieu se manifeste maintenant. Nous ne voulons pas dans ta maison que les serpents agissent. Nous ne voulons pas dans ta maison que les esprits des eaux agissent. Alléluia. Les mamies Ouattara ne peuvent pas agir dans ta maison ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est lui, celle qu'on appelle la sirène des eaux. Il n'a pas droit. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous parle pendant que tu pries, que le Saint-Esprit te donne la vision, que le Saint-Esprit te balance une prophétie. Ce soir, nous voulons voir la main de l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de notre Seigneur agit maintenant, agit en ce lieu. Nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle maintenant. Viens diriger ces moments de prière, Yahweh. Que ces assises soient dirigées par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire, viens nous parler, viens nous donner des visions et des prophéties. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux, que nos yeux voient, que nos bouches puissent parler de la part de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, que mes oreilles entendent la voix du Seigneur. Saint-Esprit, sois en plein contrôle. Ce soir, je viens invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qu'il se manifeste. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, prends place maintenant. Viens manifester ta puissance, viens manifester ta grâce divine. Saint-Esprit de Dieu, je viens t'invoquer, je viens t'invoquer, je viens t'invoquer. Prends place maintenant, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. La puissance et la gloire de mon Seigneur, prends place, Yahweh. Domine maintenant. Yahweh, sois au contrôle. Manifeste-toi, parle-nous ce soir, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, manifeste-toi, le Dieu de la Bible, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, le Dieu de liberté, le Dieu de gloire, Yahweh, agis ta main, la main glorieuse, la main puissante, la main de l'Éternel, la main de grâce, la main de puissance, la main de la liberté. Saint-Esprit de Dieu, instruis-nous, Seigneur. Viens m'instruire, viens m'enseigner, Yahweh. Viens m'enseigner, mon Seigneur. Viens m'enseigner, mon Dieu. Viens m'enseigner, mon roi. Yahweh, instruis-moi par ta parole. Instruis-moi, Yahweh. Manifeste-toi. N'est-ce pas toi qui es Seigneur? N'est-ce pas toi qui es grand? N'est-ce pas toi qui es saint? Yahweh, Papa, ouvre-nous les yeux, que nos yeux voient. Que nos yeux voient. Que nos yeux voient, Yahweh, ce soir, Yahweh. Je vais voir, Yahweh. Donne-moi la vision. Donne-moi, Seigneur, Yahweh, la prophétie par excellence, Yahweh, manifeste-toi, agis, Seigneur, dans ce moment de prière, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, agis, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, le Saint des Saints, manifeste-toi, le Dieu d'Israël, Yahweh, attise le feu, étends ta main, Elohim est mon Seigneur, Yahweh, élargis nos limites, Yahweh, comble-nous de ta grâce, comble-nous de ta puissance, Yahweh, éternel, tu es ma bannière, tu es ma solution, tu es mon rempart, tu es ma vie, Yahweh, fais quelque chose, Yahweh, papa, interviens, ce soir, je veux ton intervention,
Je veux ta grâce divine, Yahweh. Papa, n'est-ce pas toi qui nous procure la paix? Yahweh, agis maintenant. Yahweh, exerce ta puissance, Yahweh. Exerce ta main glorieuse, Yahweh. Ta main puissante, Yahweh, qui s'exerce maintenant. Yahweh, élargis nos limites, Yahweh. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, comble-nous, Seigneur, de ta présence, Yahweh. Renouvelle-nous d'onction, Papa. Accorde-nous une onction fraîche, Yahweh. Que l'huile soit renouvelée, Yahweh. Que tu nous donnes l'huile neuve, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Remplis-nous de ton onction, Yahweh. Papa, que tu nous revêtis de toute ta puissance. Revêtis-nous de ta puissance, Yahweh. Nous voulons aller dans la guerre. Nous voulons combattre maintenant. Yahweh, remplis-nous de force et de puissance, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu. Yahweh, revêtis-nous de force et de puissance, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi. Que nous soyons robustes, Yahweh. Que nous soyons forts comme un buffle, Yahweh. Manifeste-toi, les saints d'Israël. Yahweh, Papa, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais inviter à Monsieur David Mukandila. Alléluia. Alléluia. Qu'il prend sa Bible maintenant et qu'il nous lise un passage. Alléluia. Dans Genèse 9, le verset 25. S'il peut s'approcher encore davantage du micro, ça nous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Il peut nous lire Genèse 9, le verset 25. Écoutons la lecture attentivement. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. De ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth. Et Dieu étende quoi? Les possessions de Japheth. Alléluia. Alléluia. Papa, continue. Qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Là, on a béni qui? Non. On parle de Canaan. Est-ce qu'on l'a béni? Non, on l'a maudit. On l'a maudit. Il a maudit son grand-papa. Alléluia. Il a maudit Canaan innocent. Canaan n'est que victime de la malchance de son père, du comportement de qui? De son père. Alléluia. Lui, maintenant, il reçoit quoi? La malédiction. Mais celui qui a fait le mal, c'est qui? C'est son père. Alléluia. Si Canaan avait la connaissance de la parole de Dieu, Canaan pouvait faire quelque chose. Canaan est maudit depuis la maison de son père. Alléluia. Depuis la maison de son père, Canaan est maudit. Même s'il fournit des efforts, il n'aura pas de succès. Même s'il se marie avec une femme millionnaire, au contraire, cette femme risque de vivre la pauvreté à cause qu'il s'est marié avec Canaan. Alléluia. Bien-aimés, nous allons détruire la puissance de toute parole qui lie notre vie, qui empêche que notre vie puisse aller de gloire en gloire. Je ne sais pas quelle parole on a dit sur ta vie. Mais ce soir, nous avons l'occasion de détruire toute parole qu'on a dit sur nos vies. Nous allons les détruire dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, je viens détruire la puissance de toutes tes paroles qui a été prononcée sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Je brise la puissance de cette parole dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens détruire la puissance de toute parole qui a été proclamée, qui a été dite sur, concernant mon sujet, concernant ma vie, concernant ma maison, concernant mon foyer. Je détruis la puissance de ces paroles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous opérons la moto. Que l'Esprit de Dieu détruise maintenant la puissance de toutes paroles qui a été proclamée sur ma vie, sur mon avenir, sur ma destinée. Je détruis la puissance de ces paroles. Je ne sais pas ce qu'on avait dit, mais concernant, même si j'étais innocent, même s'il est écrit, Yahweh, que cela ne m'atteindra pas. Yahweh, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pas Yahweh, mais il faut que je le détruise. Si je ne prie pas, Yahweh, comment je m'en sortirai? C'est pourquoi je me lève. Je viens détruire la puissance de cette parole qui a été proclamée, qui a été prononcée sur ma vie, sur mes enfants, sur ma femme. Je détruis la puissance de toute parole qui a été dite sur ma femme, qui a été dite sur ma maison, qui a été dite sur mon avenir. Dans aucun de panza, dans aucun de beta moto. Le feu de Dieu, que le feu détruise maintenant la puissance Yahweh de toutes paroles maléfiques et démoniaques qui se lèvent sur moi, qui se lèvent sur mes enfants. Yahweh, je détruis, j'anéantis sa puissance Yahweh dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis la puissance de toutes paroles maléfiques et démoniaques que le diable a lancé sur moi, a lancé sur mes enfants, a lancé sur ma femme. Je viens détruire toutes paroles méchantes et maléfiques qui a été proclamée sur ma vie, sur ma maison, sur mon foyer. Je brise ces paroles, je détruis ces paroles, je détruis leur force, j'anéantis leur pouvoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nazopelela, moto, feu, le feu de Dieu, que le feu consume, l'œuvre des ténèbres, l'œuvre de la magie, l'œuvre de la sorcellerie. J'invoque le feu, le feu de Dieu, que le feu de l'Éternel qui puisse anéantir tout ce qui est satanique, tout ce qui est démoniaque. Yahweh, qui pèse sur moi, soit démoli dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens frapper par le feu, Yahweh, tout ce que les ténèbres est en train d'organiser, est en train de lever contre moi. Je viens le détruire, je viens le démolir. Yahweh, je détruis tout ce que les sorciers ont mis sur ma vie, ont mis sur ma maison. Je viens l'anéantir, je viens le démolir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nazopele la moto,
Nazo pele la moto na nzambe, moto na nzambe, moto na nzambe, moto na nzambe, ekele na kopeta, ekele na kopebis, nyoso ya tenen, nyoso ya magie, au nom de Jésus, Yahweh, je détruis la puissance de ces paroles, Yahweh, que les ténèbres a proclamé contre moi, contre ma vie. Yahweh, ma vie ne peut pas être anéantie à cause des ténèbres, à cause de la magie, à cause de la sorcellerie. Je viens détruire leur pouvoir, Yahweh, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Nazo pele la, nazo pele la, nazo pele la. Moto nanzampe, moto nanzampe, moto nanzampe. Ekende ko panta, ekende ko panta, ekende ko yita maintenant. Tout ce qui est ténèbres, toutes tes paroles de ténèbres, mais concernant mes enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens briser toutes formes de malédictions qui plane encore à cause d'une parole proclamée, prononcée sur ma vie, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, il faut bien prier. D'où nous venons, un jour, même si ce n'est pas tes parents, ça peut être un voisin. Tu passes et puis, il n'est pas content de toi, il dit que tu sois malade. Ça, on nous a dit ça dans tout le Congo. C'est terrible. Quelqu'un qui était bon béla, au koufa, zobayo. Mais tout ça, ce sont des paroles de malédiction. Alléluia. Qui t'a condamné? Qui t'a maudit? Qui t'a ensorcelé? Alléluia. Alléluia. Même en créole, il y a des gens qui condamnent les gens. Qui dit que tu meurs en créole? Tu mourras. Alléluia. Qui le disent tous les jours? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des condamnations. Vous riez, mais nous sommes condamnés tous les jours. Même vos professeurs, des fois, vous ensorcellent. Quand ton professeur te dit que tu ne finiras pas les études, il faut que tu choisisses les études. Il vient de te maudire. Qui lui a dit que toi, tu ne peux pas faire l'université? Il faut refuser ça. Il y a un garçon qu'on lui disait qu'il n'arrivera pas à l'université. Mais on est avec lui ici au Canada. Il a fait la maîtrise. Mais qu'est-ce qu'on lui avait dit quand on était à Boboko? On a dit qu'il est incapable de faire l'université. Il était le dernier de notre génération à avoir 50% à l'examen d'État. Aujourd'hui, il est parmi les lauréats. Il ne faut pas accepter ce que le professeur te dit. Le professeur ne peut pas te dire que tu es incapable. Non, c'est une malédiction. Parce qu'il est l'autorité. Tout ce que l'autorité te dit, ça arrivera. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec les autorités. Celui qui est chrétien, c'est qu'on ne joue même pas avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi nombre ne réussissent pas, ils demandent. Comment, si Dieu existait, pourquoi moi ça ne réussit pas? Mais toi, tu insultes les hommes de Dieu. Tu penses que tu seras libre. Tu insultes tes parents. Tu insultes ce qu'on a mis devant toi. Tu n'as aucun respect aux autorités. Alléluia. Dieu, lui-même Dieu, il refuse que Balaam puisse parler contre Israël. À chaque fois, il mettait la parole de bénédiction. Est-ce que Dieu ne pouvait pas renverser ça? Mais n'est-ce pas lui-même, Dieu dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Maman Vérus, n'est-ce pas c'est Dieu qui l'a dit? Mais pourquoi il y a quand même une voix Balaam? Si la malédiction sans cause n'a point d'effet, mais pourquoi il fermait la bouche de Balaam? Qu'il fallait qu'il laisse Balaam. Si la malédiction sans cause n'a point d'effet.
Parce qu'il dit, pourquoi tu veux maudire Israël? Où est la faute que Israël a fait? Mais si Israël n'avait pas fait la faute, toi tu nous as dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Pourquoi tu as refusé? Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Cette parole, s'il n'a pas encore fait l'effet, ne retourne pas. On a dit quoi à ton sujet? Baloba nini pour ta vie. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi les hommes ont dit sur ton sujet? Bien aimé, on va commencer d'abord par le fondement. Nous allons maintenant prier. Vous savez, dans nos maisons, il y a eu beaucoup de passages. Hein? Là où nous venons, là où nous sommes, il y a eu beaucoup de passages. Des fois, même des sorciers qui sont passés par nos maisons, ils ont habité pendant un moment, ils sont partis. Sachez-le, comme moi je suis ici, si je vais dormir chez Kabengele, vous savez, je vais invoquer quel Dieu? Jésus. Alléluia. Parce que c'est mon Dieu. Si Kabengele est sorcier, il vient chez moi, il va invoquer quel Dieu, maman? Le Dieu de la sorcellerie. Il invoquera leur Dieu. Donc cela veut dire, tout sorcier qui a fréquenté ta maison a laissé un signe, a laissé quelque chose. Tu avais hébergé un jour le sorcier à la maison. Qui sait ce qu'il a laissé? Ce soir, nous allons prier. Nous allons invoquer le feu de Dieu dans notre maison. Alléluia. Alléluia. S'il y a une chose qui représente la sorcellerie, s'il y a une chose qui représente le vaudou, s'il y a une chose qui représente la magie ou l'occultisme, alléluia, ce soir, qu'il soit consumé par les feux. Bien aimé, la maison, quand j'ai acheté cette maison, quand nous l'avons achetée, c'est un occultiste qui habitait ici. Alléluia, on ne savait pas. Quand on venait de découvrir cela, il nous a fait aussi des aventures. Un jour, nous avons entendu, j'ai dit ma femme, j'ai dit, nous n'avons pas cette alarme à la maison. Qu'est-ce qui se passe? On s'est réveillé la nuit, moi et ma femme. On a tranquillisé les enfants, on dit non, c'est la guerre qui a commencé. Nous avons prié de 2h jusqu'à 6h du matin. Le matin, on a commencé à chercher dans tous les coins s'il y a l'objet. C'est pourquoi nous n'aimons pas acheter la maison avec les choses de l'ancien propriétaire. Nous, on avait tout jeté. Tout. Mes enfants, vous vous souvenez encore comment on avait jeté tous les matos qui étaient ici. On a tout jeté. J'ai regardé, je suis entré même en dessous de l'escalier là-bas pour que rien de l'ancien propriétaire soit dans la maison. Bien-aimé, il y a physique et spirituel. S'il y a des choses physiques qui appartiennent à l'ancien propriétaire, jette-les. Tu n'es pas pauvre pour que tu ne puisses pas en avoir. Tu es capable d'acheter. Alléluia. Ce soir, nous allons invoquer le feu. S'il y a une trace de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, alléluia, dans la maison, que cela soit consumé. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Que le feu. Que le feu consume maintenant toute trace, toute représentation de la sorcellerie qui peut se trouver à la maison. Je viens invoquer le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Que le feu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruise maintenant tout pouvoir des ténèbres. Tout pouvoir de la magie soit détruit. Tous ceux qui ne confessent pas la gloire de l'Éternel qui est dans ma maison, qui se cache quelque part, que le feu de Dieu les déterre maintenant, qu'ils soient repérés par le feu.
sopele la moto, na sopele la moto, moto na nzambe, moto na nzambe, ekende ko repere, nyoso ya monda bolili, ya kindoki, ya maji, ya batia bokilkis, oye zali na ndako na ngai, na zopeta moto, feu! Que le feu de Dieu, 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 que le feu de Dieu consume maintenant toute présence qui ne glorifie pas le nom de Jésus qui se trouve dans ma maison, soit détruit, soit détruit, soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens invoquer le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, moto, que le feu, que le feu, que le feu consume maintenant toute œuvre morte, Yahweh, qui est dans ma maison, qui veut bloquer ma vie, qui veut m'enfermer dans la souffrance. Yahweh, je viens invoquer le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu détruise maintenant le pouvoir des ténèbres, le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque, soit détruit. Soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, 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 feu. Le feu de Dieu, 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 que le feu, que le feu, que le feu, que le feu détruise maintenant le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je détruis tout pouvoir satanique et démoniaque qui sont placés dans nos maisons. Moi, tu es délocalisé en haut, et tu es localisé en haut, et panza, tout mounios, oyo bachan anda kunangai, serpan yo soya bombana na se yambetu, nyoka oya vanda kana se yabakiki, ayamba moto, fe! Amen. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'ai vu un reportage, il y a des lézards là, j'ai oublié le nom de ces lézards qui sont un peu géants là, qui mangent aussi la chair. Alléluia. Qui ont mangé leur propriétaire. Bien-aimés, c'est démoniaque ces choses. C'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit. La malédiction peut faire beaucoup de dégâts. Amen. Bien-aimé, Cana a été maudit parce qu'il était, parce qu'il lui manquait la connaissance. Si Cana avait la connaissance, il pouvait plaider sa cause. Alléluia. S'il avait la connaissance, il pouvait invoquer Dieu et mettre fin à sa souffrance. Mais comme il manquait la connaissance, il a été mort. Bien aimé, nous allons invoquer les faits. Alléluia. Tes enfants aussi n'ont pas la connaissance actuellement. Ils reçoivent des paroles de gauche à droite. Alléluia. Ils sont victimes peut-être de ta propre bouche. Ils sont victimes peut-être des membres de ta famille, tes frères, tes sœurs. Alléluia. Vous savez, quand nous ne sommes pas là, on dise des choses méchantes sur nos enfants. Alléluia. Vous savez, quand les parents, la mère et la père est là, les gens gardent
de leur bouche. Mais quand la mère et la père n'est pas là, les gens peuvent dire des choses qui est témoignable. Bien aimé, il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut prier que Dieu te garde. Alléluia. Dans l'ignorance, les gens étaient maudits. Pourquoi? Parce que tes parents ne sont pas là. Ton père n'est pas là. Ta mère n'est pas là. Tu es maudit. Et personne ne peut te défendre. Si papa et maman aussi n'ont pas de connaissances, tu vis avec la malédiction. Parce qu'il y a aussi des parents ignorants qui ne lisent pas la Bible. Vous voyez pourquoi il faut lire la Bible, maman et papa. Maman et papa ne lisent pas la Bible. Maman et papa spécialistes de l'Internet. L'Internet pour regarder seulement YouTube. Il y a des parents qui sont des spécialistes de Facebook, de YouTube. Tout ce qui se passe dans les Facebook sont au courant. Tout ce qui se passe dans les YouTube, ils sont au courant. Alléluia. Donc, rien ne lui manque. Amen. Il suffit qu'une apparition se fait. Lui, il est déjà au courant dans une minute. Mais quand tu prendras soin de lire la parole de Dieu pour tes propres enfants, quand tu prendras soin pour sauver ta maison, oui, tu dis les pasteurs sont mauvais, mais c'est toi le pasteur de la maison. Maman et papa, c'est vous le pasteur de la maison. Ce n'est pas moi votre pasteur dans votre maison. Dans votre maison, c'est vous le pasteur. Quand les enfants sont en train de se gâter, c'est toi le responsable. Alléluia. Alléluia. Si Cana avait un papa qui savait prier, Cana allait s'en sortir. Si Cana connaissait aussi la parole de Dieu, Cana allait chercher la prière. Mais Cana était maudit. Il a vécu dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour défendre sa cause. Ce soir, parent, tu vas invoquer les faits. Alléluia. Que chaque parent puisse prier pour toute condamnation qui pèse sur ses enfants. Alléluia. Car ils sont victimes de leur ignorance. Toi, parent, lève ta voix. Prie pour toute la condamnation, toute parole de condamnation qu'on a proclamée sur ton enfant, sur tes enfants. Papa, tu dois prier. Toi, enfant aussi, tu dois prier pour toute parole qu'on a dit sur toi, dans laquelle toi, tu manquais la connaissance, tu ne t'es pas défendu. C'est le moment de te défendre maintenant. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, n'asopele la moto, j'invoque le feu, que le feu détruise toutes tes paroles de condamnation qu'on a lancées contre David, contre Benisha, contre Gift, contre Jennifer, contre Joseph. J'ai détruit la puissance de ces paroles dans le nom de Jésus. Je m'élève maintenant. Je détruis, je brise maintenant la force de ces paroles dans le nom de Jésus. Et je déclare que mes enfants vivent. Au nom de Jésus, Yahweh, je viens détruire la force de ces paroles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, je lève ma voix ce soir pour viser les condamnations à laquelle ils sont victimes. Yahweh, par ignorance, ils se sont laissés, ils ont été fouettés. Yahweh, je détruis la force de ces paroles dans le nom de Jésus. Priez. Ça la prière. Je détruis la force de ces paroles dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu contre toutes tes paroles qu'on a lancées contre moi, qu'on a lancées contre mes enfants. Yahweh, la condamnation qu'ils ont reçue du côté de ma mère, du côté de mon père, du côté de ma belle-mère, du côté de mon beau-père. Yahweh, je détruis les paroles condamnant Benisha, les paroles condamnant David, les paroles condamnant Gift, les paroles condamnant Jennifer, les paroles qui condamnent Joseph. Je viens l'annuler, je viens le détruire, je viens le démolir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nazo que no panza, malo bagnoso, oyo ba lopa, oyo ba canela,
bananangai, bako kufate, bako tako bako soa pasite, na pazi ba maloba nyoso wana, maloba yako bako mona kembo te, na pebisi yango, na kombo na yeso, j'invoque le feu, j'invoque le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu, que le feu, que le feu détruise, que le feu détruise, que le feu détruise la puissance de ses paroles, la puissance de Yahweh, des paroles maléfiques, des paroles démoniaques. Je viens les détruire, je viens les détruire, je viens les détruire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nazopelela, moto, feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu détruise maintenant toute condamnation des ténèbres, Yahweh, toute condamnation de la sorcellerie qui se sont élevées contre mes enfants. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis la malédiction satanique et démoniaque dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu, que le feu, que le feu détruise maintenant toute condamnation, tout esprit de sorcellerie qui condamne mes enfants, qui condamne ma famille, soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens détruire la puissance de la malédiction qui plane sur mes enfants, dans le nom de Jésus. Je les brise, je les démolis, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Qui t'a maudit? Tu marchais bien, tout allait bien, qui t'a maudit? Bien-aimé, nous allons sortir. On n'est pas appelé à vivre dans la malédiction. Ma papa, lis-moi Genèse 29, verset 26. Alléluia, nous prions avec la parole avec nous. Genèse 29, verset 26. Amen. Laban dit. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant les nuits. Donc cela veut dire, aussi longtemps que Léa ne se mariera pas, ça veut dire que Rachel aussi ne va pas se marier. Bien aimé, c'est quelle condamnation, quelle malédiction. Donc cela veut dire si Léa ne trouve pas un mari. Donc cela veut dire que Rachel aussi ne va pas se marier. Je ne sais pas, peut-être tu es dans cette situation. Comme l'aîné n'est pas marié, toi aussi oublie le mariage. Alléluia. Je ne sais pas qui d'entre nous, en ce moment que nous prions, est dans telle situation. Qui t'a maudit? Qui a fait une loi contre toi? Bien-aimé, il y a des familles dans lesquelles on a dit aussi longtemps que l'aîné n'a pas encore trouvé le travail, personne ne travaillera dans la famille. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des familles aussi. Pour que l'autre puisse avoir de l'argent, il faut que l'aîné meure d'abord. Si l'aîné meure et l'autre remplace, c'est seulement comme ça. Vous attendez que l'autre meure. Ça c'est quelle famille? Ça c'est quelle famille? Pourquoi cette situation? Pourquoi? 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 Bien-aimé, avant même de commencer à traiter les problèmes de Rachel, nous allons d'abord détruire la puissance de cette loi. Amen. Alléluia. Nous allons d'abord détruire ceux qui ont décrété cette loi. Parce que ceux qui ont décrété cette loi, si nous ne les détruisons pas, ils feront une loi contre la première. Donc nous allons tuer d'abord les faiseurs de la loi. Qui meurt, même s'il est déjà mort, qui meurt encore une seconde fois. Que la mort le poursuive même dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Détruisons tous les faiseurs de la loi. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
J'invoque le feu contre toute personne qui a décrété la loi qui pèse sur moi. Je viens détruire les faiseurs de loi, ceux qui ont décrété ces lois maléfiques, ces lois démoniaques pour nuire à ma santé, pour nuire à ma vie matrimoniale, pour nuire à ma vie financière. Yahweh, détruis-le, Seigneur. Je viens invoquer le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je viens invoquer le feu. Que le feu détruise la puissance des sataniques, la puissance démoniaque. Yahweh, tous ceux qui ont fait des lois mensongères, des lois démoniaques, des lois déguisées, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu. Le feu de Dieu, je viens détruire les faiseurs de lois dans le nom de Jésus. Alléluia. Manière dont vous priez, je vois que vous caressez l'ennemi. Bien-aimé, nous tous nous portons des sanctuaires de nos familles. J'ai déjà devant nous, il y a tué les filles. On a déjà choisi un nom pour toi. On appelle les Kichou. Tu as déjà un nom. Les gens que tu vas te marier avant que tu te maries, on doit cueillir cet homme pour qu'on te libère. Libère-toi maintenant. Le moment de te libérer maintenant. Amen. Il y a des lois que vous ignorez quand vous priez bien. Le faiseur de loi là, ces gens-là sont là. Amen. Amen. Nous subissons ça à cause du sang. Dans tes veines, là, ce n'est pas le sang d'un blanc, ce n'est pas le sang d'un Québécois. Tu te dis, je suis Québécois, tu n'es pas Québécois, les Québécois sont blancs. Tu es noir. Amen. Alléluia. Tu as des sangs qui viennent d'où? Regarde ta source. Priez comme il faut. Les faiseurs des lois, là, ils ont fait des lois que toi tu portes ça, c'est ton sang. Amen. Amen. Il y a les lois d'être les premiers-nés, qu'on leur donne de tout le pouvoir dans la famille, que vous ne voulez pas. Il y a des premiers-nés qui ont le pouvoir. Si c'est un mal, ils reçoivent tout le pouvoir. Qu'on vous arrache dans le cœur, on dégage vos comptes. C'est pourquoi vous allez voir les peuples détruire le premier à cause de quoi? De ce pouvoir-là qu'ils ont acquis. Il faut bien prier. Les derniers nés sont toujours de Amen. Est-ce qu'on peut combattre maintenant? Alléluia. On va détruire les faiseurs de ces lois-là. Ces lois-là sont maléfiques. Pourquoi toi, tu dois te marier, on te fait les tibao. Toi, tu n'es même pas au courant. On sait, on a déjà fait cette histoire. Dans les jours que tu vas tromper ton mari, c'est le problème qui arrive. Alléluia. On peut bien prier maintenant, on a compris, hein? On prie. Détruisons le faiseur des lois. Je viens détruire tout faiseur de loi, tout ce qui a promulgué, qui a décrété ces lois maléfiques qui se lèvent contre nous, contre notre vie. Je viens les détruire, je viens les démolir, je les démolis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens les frapper par le feu. Nazopelela, j'invoque le feu, le feu de Dieu, que le feu détruise toute personne qui se lève contre nous, qui se lève contre ma vie, qui détruit ma vie, qui amène la mort par les lois des ténèbres, les lois sataniques, les lois démoniaques. Yahweh, il vient les lever pour nuire à ma santé spirituelle, pour nuire à ma vie. Je détruis toutes ces personnes qui décrètent les lois, les faiseurs de lois, qui soient morts maintenant, qui soient frappés par le feu. J'invoque le feu, que le feu
feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe ces personnes qui promulguent des lois, qui décrètent des lois démoniaques, des lois sataniques, qui soient frappées par le feu de Dieu, que le feu de Dieu les consume maintenant, qu'il soit consumé au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu soit détruit maintenant. Toute personne qui est en train de s'asseoir sur la table pour promulguer des lois de démoniaques, des lois sataniques, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, vous connaissez vous tous Vachi. Vachi, elle a refusé de se présenter devant son mari parce qu'elle ne voulait pas se faire ridiculiser par un mari qui était ivre. Alléluia. Elle a résolu de ne pas y aller se présenter. Mais qu'est-ce que les hommes ont dit? Les hommes ont promulgué une loi immédiate. Nous ne voulons pas que nos femmes copient Vachi. Alléluia. Nous ne voulons pas qu'ils puissent copier ce que Vachi a fait. Il faut qu'on promulgue une loi. Sinon, toutes nos femmes risquent de se comporter comme Vachi a fait. Il faut qu'on les punisse pour que nos femmes puissent avoir peur et ne pas agir comme elles. Vous voyez comment les lois de la coutume se font. Alléluia. Parce que quelqu'un a fait seulement une erreur, maintenant on promulgue une loi qui va condamner toutes les femmes. Alléluia. Que si une femme ne veut pas se présenter, directement, automatiquement, on les met à la gare, dehors. Et on promulgue la loi, on met Vachi dehors. Alléluia. Et cela est devenu une loi pour que toutes les femmes qu'ils sachent que s'ils osent faire comme elles l'avaient fait, voici le sort qu'ils subiront. Alléluia. C'est comme ça qu'on a fait la loi. Cette loi-là qu'on a fait, que personne ne pouvait se marier avant Léa. C'est des ténèbres. Ce n'est pas une loi qui arrange les gens. Chacun a sa grâce, chacun a son étoile. Alléluia. N'est-ce pas que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière? Nous pouvons être nés de la même famille, mais nous ne brillerons pas de la même manière. Amen. Faire une loi pareille, c'est une injustice. Alléluia. Si j'étais parmi les orateurs des survivants, je parlerais de cela. Quelle injustice! Il y a des gens qui ont survécu dans des lois pareilles. Quelle souffrance! Ça fait partie du survivant. Alléluia! Alléluia! Nous allons détruire toutes les condamnations de cette façon. Alléluia! Tu vas maintenant détruire. Alléluia! Tu vas évoquer les faits contre toute attente de coutume, les attentes des hommes, les attentes des tribus, les attentes qu'on fait dans des pays. Nous allons briser toute attente démoniaque, toute attente satanique. Nous allons les briser au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens détruire toute attente qu'on a promulguée contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mes descendants. Yahweh, je viens les détruire, je viens détruire, je viens détruire ces attentes sataniques, ces attentes démoniaques, Yahweh, des accords qui ont été faits, Yahweh, sans notre consentement. Nous vivons ces accords aujourd'hui. Yahweh, ces accords nous détruisent, ces accords nous brisent, Yahweh. J'invoque le feu. Le feu de Dieu, que le feu de l'Éternel détruise maintenant tout accord des ténèbres, tout accord des sataniques, Yahweh, qui pèse sur nous, qui pèse sur nos enfants. Je viens briser, je viens démolir ces accords maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu, 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 anéantisse maintenant les accords
accords sataniques, les accords démoniens, les accords sataniques, Yahweh, qui a été passé par les membres des familles, par les directeurs des familles. Yahweh, je détruis ces accords tribales, ces accords régionales, ces accords, Yahweh, qui unit tous les pays. Yahweh, je détruis les accords maléfiques, les accords démoniaques qui détruit nos vies. Je viens les briser, je viens les démolir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous détruisons tous ces accords dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens détruire, je viens démolir les accords maléfiques, les accords sataniques et Yahweh qui ont été présentés dans la famille. Nous venons les briser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis ces accords dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. La dernière requête. Tu as ton offrande. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Caïn et Dieu, ils ont eu des problèmes à cause de toi. Hein? Caïn et Dieu. Dieu ont eu Caïn et Abel. Ils ont pris la décision de offrir à Dieu une offrande, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont mal fait? Et se réconcilier avec Dieu. Maintenant, Caïn présente son offrande. Abel présente son offrande. Abel n'a pas eu de problème avec Dieu. Mais Caïn a eu des problèmes avec Dieu à cause de quoi? De l'offrande. Bien aimé, l'offrande de quelqu'un peut détruire sa vie. Alléluia. Tu peux te séparer avec Dieu à cause de ton offrande. Ton offrande. Il faut faire une bonne offrande ce soir. Bien-aimé, si nous avons une église qui fait l'offrande comme il faut, Dieu bénira aussi l'église. L'offrande des membres d'une église amène la prospérité dans l'église. Quand une église sait faire l'offrande, cette église amène la prospérité. Mais quand vous avez dans l'église les gens qui se plaignent pour les offrandes, c'est une malédiction. C'est pourquoi je n'aime pas une église qui se plaint de l'offrande. Alléluia. Parce que tu ne veux pas mon bonheur. Tu ne veux pas le bonheur de l'église. Tu ne veux pas le bonheur des autres. Amen. Nous devons être contents de donner l'offrande. Nous devons être contents de donner l'offrande. Mais quand tu vois quelqu'un qui se plaint pour l'offrande, il n'est pas bon pour notre église. L'offrande doit être un moment de plaisir. Comme si nous adorons Dieu, c'est un moment de plaisir. L'offrande aussi, c'est une adoration. Comment nous devons nous plaindre pour l'offrande? Alléluia. Alléluia. Il y avait un serviteur à l'église qui boudait pour l'offrande d'une façon incroyable. Et il est allé faire des commentaires quelque part. Le jour que je le croiserai, je lui dirai, tu ne veux pas servir. Alléluia. Quand tu ne connais rien, ne fais jamais de commentaires. Amen. Alléluia. Ce soir, ton offrande va toucher le cœur de Dieu. Si cette femme a touché le cœur de Dieu, toi aussi tu peux toucher le cœur de Dieu. Avec ton offrande, tu peux toucher son cœur. Amen. Si Caïn a eu trop, à cause de l'offrande, il est devenu vagabond. S'il avait fait l'offrande comme il faut, il n'allait pas être vagabond. Vous voyez qu'il a été maudit à cause d'une offrande. Est-ce que quelqu'un peut faire une bonne offrande aujourd'hui, ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux faire une bonne offrande ce soir? C'est le premier jour de notre jeûne. Nous devons donner à Dieu pour que la fête soit une. Sois parfaite. Alléluia. Nous allons offrir à Dieu. Ce soir, je veux que tu prennes une bonne offrande. Je ne déterminerai pas le montant. C'est ta foi qui s'exerce maintenant. Moi, je me demande bien. Je laisse ta foi agir. Amen. Nous allons élever la voix. Nous allons prier. Envoyez votre offrande à cette adresse.
CCPP Montréal, 24h20@gmail.com. Le mot de passe, c'est GRF-administre. Je répète, CCPP Montréal, 24h20@gmail.com. Le mot de passe, c'est GRF-administre, sans accent, c'est complexe. Prenez vos tablettes, prenez vos comment on appelle ça, les cellulaires, prenez vos ordinateurs, faites le virement à cette adresse. Alléluia. C'est le moment le plus agréable que Dieu aime. Envoie ton offrande. Écoute la prière que tu vas faire demain. Dis, demande à ce Seigneur que tout ce que tu as demandé, dis Seigneur, donne-moi tout ce que je te demande. Car il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Dis Seigneur, voici tout ce que je te demande. Apporte-le. Vous voyez pourquoi j'aime la prière. Regarde l'échec en blanc. Que Dieu te donne ce soir. C'est quoi tu veux? Tu veux quoi de Dieu? Tu veux quoi je vais faire de Dieu? C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Il te donne le chèque en plein. Demande-lui ce que tu veux. Yves, tu veux quoi? Joseph, tu veux quoi? C'est quoi tu veux? Maman Véro, tu veux quoi? Bénicha, qu'est-ce que tu veux de l'Éternel? David, tout ce que tu demanderas à Dieu ce soir. C'est ta foi qui va déterminer cela. Moi, ton père, je vais donner l'offrande à ton nom. Je vais donner l'offrande à ton nom, mais toi, ouvre ta bouche. Chacun exerce sa foi maintenant. Élisée avait dit à la femme, prends, vas-y, va chercher. Va chercher des vases. Prends-en beaucoup. Et viens, entre dans la maison, ferme la porte. Commence à verser l'huile. Or, dans le flacon, il y avait une petite huile. Bien aimé, la Bible m'apprend. À chaque fois qu'il y avait un vase vide, l'huile coulait. Donc, tout dépendait de la grandeur de la foi de cette femme. Ce soir, tout dépend de la grandeur de ta foi. Invoque Dieu. Demande-lui tout ce que tu veux. Dieu le fera. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens implorer le Dieu du ciel. Yahweh, je viens te demander au nom de Jésus. Je demande, Yahweh, pour mes enfants, pour ma femme. Yahweh, que tu leur apportes ce dont ils ont besoin. Yahweh, vois le désir de leur cœur. Yahweh, satisfait leur désir. Seigneur, tu sais ce qui les a, c'est ce qui lui fait, ce qui lui manque. Yahweh, tu le sais. Yahweh, maintenant, ils te sont présentés devant toi. Papa, dans la cité de triomphe, c'est en ce lieu, Seigneur, que tu m'as toujours accordé la victoire. C'est en ce lieu, Seigneur, que tu m'as toujours parlé. Yahweh, je suis devant toi, Seigneur, là où moi et toi, on se rencontre tous les matins à la cité de triomphe. Yahweh, ce soir, Yahweh, je viens élever ton étendard. Je lève ta bannière comme Moïse. Quand il levait ta bannière, Moïse était victorieux. Quand il baissait, Moïse perdait la bataille. Mais ce soir, je ne vais pas perdre. Je lève l'étendard, je lève la bannière, afin que tous les bien-aimés de CCPV, quand ils sont en train de prier maintenant, qu'ils reçoivent la victoire, qu'ils reçoivent la victoire. Je viens proclamer la victoire pour tous les bien-aimés de CCPV, qu'ils reçoivent la victoire maintenant. Souviens-toi, Seigneur, de ces moments de prière. Souviens-toi, Yahweh, de leur demande, Yahweh, satisfait leurs besoins. Satisfait, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Yahweh, je t'implore. Yahweh, je t'implore. Yahweh, je t'implore. Je viens pleurer au bas de tes pieds. Yahweh, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, mon roi. Yahweh, accorde-leur. Accorde-leur, Yahweh, ce dont ils désirent. Ce dont ils ont besoin. Papa, fais-le. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, mon roi. Yahweh, c'est toi. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es puissant. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi le Dieu de grâce. Manifeste-toi le Dieu saint. Manifeste-toi la puissance divine. Yahweh, comble. Comble mes bien-aimés. Comble-le. Comble ma femme, Yahweh. Yahweh, fais-le.
donné, Yahweh, qu'elle ne manque de rien. Yahweh, satisfait les besoins de son cœur. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, mon Seigneur. Manifeste-toi, le Dieu de grâce. Yahweh, je t'implore. Je t'implore, mon Dieu. Je t'implore, mon roi. Yahweh, je suis à genoux devant toi. Implorant ta grâce, Yahweh. Yahweh, comble ma femme. Comble ma femme, Yahweh, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous donne ce que vous avez demandé. La Bible dit, vous viendrez, vous prierez, et il vous exaucera. Moi, j'ai exaucé la prière. Comme Élie le sacrificateur avait exaucé la prière de Aaron, moi aussi, ton Père, j'exauce ta prière. Et je te dis, qui tu obtiendras ce que tu as demandé. Soyez bénis. On se retrouve.